Good morning, Aleiden, Tiskul Shanim Rabot, Neimot, Vetovot. Nous étudions aujourd'hui Masechet Megillah, Perikbet, Mishne Gibel, Ben Ir, Shalach Lekrach, Ben Krach, Shalach Leir. Imatin Lachzor Limkomo, Kore Kimkomo, Veimlav, Kore Imahen. Umeyechan Koradam et Megillah, Veyotsebaye de Chovato, Abi Meir Omer Kula. Abi Yoda Omer Meish Yehudi, Abi Yossi Omer Meachar Devarim Haele. Deux sujets dans notre Mishnah. Le premier d'abord, c'est en rapport avec le fait que il y a Purim, on célèbre, il y a deux jours de Purim par an. Il y a le Purim pour les villes classiques, et Purim pour les villes fortifiées, en l'occurrence Jérusalem, Shushan, et quelques villes qui font l'objet de Sfekot. Et d'accord, donc concrètement, le sujet de la Mishnah est de savoir maintenant, imaginez quelqu'un qui habite Tel Aviv, qui va venir à Yerushalayim pendant la journée du 14, ou pendant la journée du 15, est-ce qu'il a imposé de célébrer le Purim du 14 ou du 15? On va prendre une situation d'abord, premièrement, imaginez qu'il va, il quitte Tel Aviv depuis le 13 de l'après-midi, et il va à Yerushalayim. Maintenant, d'abord, premièrement, il faut savoir, s'il compte passer deux jours à Yerushalayim, là, il n'y a aucune question. Le 14, c'est un jour tout à fait normal, comme tous les habitants de Jérusalem, et le 15, il célébrera pour même le 15. À la différence de, par exemple, du Yom Tov, par exemple, les deux jours du Yom Tov pour les habitants de Trutz-Laharetz ou pas, où là-bas, on s'intéresse à savoir où tu habites, pas où tu te trouves, et bien pour les... Ouais, c'est-à-dire un Israélien qui était à Paris pour les fêtes de Yom Tov, il célèbre un jour de Yom Tov, le deuxième à cause de Maritain, mais il devrait même mettre des tefilines, il fait des tefilotes de Chol classiques. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on dit que lui, il est israélien. Inversement, un Français qui arrive en Israël, il le célèbre deux jours de fête. Eh bien, pour le Lot Purim, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour le Lot Purim, on s'intéresse à savoir où tu te trouves à Purim. Et si tu habites en général à Tel Aviv, en France, où tu veux, et tu viens à Yerushalayim, une chose de sûre, pendant les deux jours, on va commencer par là, 14 et 15, tu es à Yerushalayim, eh bien, tu t'appelles un Yerushalmi pour le jour d'Yerushalayim, tu célèbres Purim le 15. Inversement, un habitant de Jérusalem qui va partir à Tel Aviv, pour le moment, on complique pas la situation. Il est parti pour tous les deux jours, depuis le 13, 14, 15, il passe trois jours même à Tel Aviv, eh bien, il célébrera Purim le 14 et pas le 15, même si, initialement, il habite à Jérusalem, parce qu'on va selon le moment où tu te trouves lors du jour. Maintenant, ça, je peux présenter ça de manière très vaste, grossière, sans entrer dans les détails. La Mishnah va rentrer dans les détails en précisant exactement quelle est la limite, comment est-ce qu'on fixe. Et en réalité, c'est une Mishnah qui est très dans la Gemara, avec beaucoup d'avis de Rishonim, c'est assez compliqué dans la Halakha. Nous serons expliqués dans notre Shiur, c'est expliqué tel que le Bartanoï explique, qui suit apparemment l'avis du Rambam, je pense, mais il y a plusieurs avis. Concrètement, dans le Shulchan Aruch, ça a porté, qu'on peut se retrouver en train de célébrer deux jours de Purim, si on a Tel Aviv le 14, et puis après on a Yerushalayim le 15. Ça, c'est pas apporté dans le Bartanoï. Dans beaucoup de Rishonim, ça n'existe pas durant deux jours. Ça fait l'objet de plusieurs discussions. Concrètement, on commence. Ben Ir Shalach Lekrach, un habitant d'une ville qui est parti, d'une ville normale, qui est parti dans un krach, dans une ville fortifiée. Krach, le champ de Korech aussi, qui entoure, c'est une ville fortifiée. Bien. Et, ou encore, ou inversement, ou Ben Krach Shalach Leir, ou un habitant de la ville fortifiée qui est parti à la ville normale. Alors la Mishnah me donne une généralité. Imatin Lachzor Limkomo, Korim Kimkomo. Si il prévoit de rentrer chez lui, eh bien, il ira comme les habitants de chez lui. Et il me lave, et s'il ne prévoit pas d'entrer chez lui, Kore Imahen, il ira comme les habitants de la ville où il se trouve. Grossièrement, c'est ce qu'on a expliqué. S'il prévoit d'entrer chez lui, au moment de Purim, donc, alors il devrait lire comme les habitants de chez lui, mais s'il prévoit de rester à l'endroit où il est arrivé pendant la fête de Purim, eh bien, il célébrera comme l'endroit où il est. Maintenant, plus précisément, je vous explique directement le partenaire comme il présente la chose. C'est comme ça. On va prendre un habitant de Tel Aviv qui va Ben Ir, Shalach Lekrach, qui va venir à Yerushalayim. Il est venu à Yerushalayim. Et maintenant, pour Purim de Yerushalayim, il faut être... Alors, d'abord, une petite notion, c'est que il y a le moment décisif, capital, qui va fixer plein de choses, c'est le lever du jour... Du jour imposable. On va prendre le cas le plus simple. Un habitant de Jérusalem qui va à Tel Aviv.
S'il prévoit de rester à Tel Aviv durant la journée du 14, au lever du jour du 14, il sera déjà là-bas à Tel Aviv, eh bien, il est imposé par les habitants de la ville. Le lever du jour, il faut savoir, la Megillah du jour, elle est plus, je ne sais pas si on peut dire plus importante, parce que les deux sont obligatoires, mais elle est plus décisive, elle fixe plus le statut que la Megillah du soir. Donc, si au lever du jour, quand commence le devoir de lire la Megillah, quand on va dans la prochaine Mishnah précisément à quel moment, mais en tout cas, depuis le lever du jour, tu... À Tel Aviv, en ce moment, le 14, on célèbre Pourim. Tu es là-bas au lever du jour du 14, tu dois faire Pourim comme les habitants de Tel Aviv. Ouais. Même si concrètement, tu pourras même rentrer le 15 chez toi, mais pour le moment, tu fais aussi Pourim ici. Ok. Et ça, c'est un. C'est le cas le plus simple. Maintenant, si tu es parti à Tel Aviv le 14 au soir, mais tu prévois de rentrer dans la nuit. Alors tu prévois d'entrer la nuit, donc pour le moment décisif qui sera le 14 au matin, tu ne seras pas à Tel Aviv. Donc tu n'es pas imposé par les gens de Tel Aviv. Donc tu vas à Tel Aviv, les gens ils vont tous à la synagogue écouter la Megillah, toi tu restes au bistrot en train de te préparer au Mishté Yayin. D'accord? Enfin peu importe, toi, tu n'es pas imposé de lire la Megillah. Mais si je prévois que demain tu resteras à Tel Aviv, donc tu es obligé de partir toi aussi écouter la Megillah. Ouais, et inversement... Et inversement, donc maintenant on arrive avec la situation contraire, que l'habitant de Tel Aviv, il arrive à Yerushalayim, il vient à Yerushalayim, il est là le 14, il prévoit de rentrer, il sera pas là le 15, il prévoit de passer même 24 heures à Yerushalayim, et bien figurez-vous, selon le Bartanura, il va célébrer Purim le 14 tout seul à Yerushalayim, il n'y a personne d'autre qui célèbre, lui il célèbre Purim. Ah, le lever du jour du 14, t'es pas à Tel Aviv? Ouais, peut-être. Mais puisque le lever du jour du 15, tu ne seras pas assez à Yerushalayim, tu n'es pas à Yerushalayim, donc dans ce cas-là, tu es comme tout le monde, tu fais le 14. Par contre, tu prévois de passer un jour et demi. Tu vas passer la journée du 14 et tu prévois la nuit du 15 et même au petit matin. Le petit matin, tu prévois de rentrer chez toi. Oh, le 15, tu seras à Yerushalayim. Tu es imposé comme les habitants d'Yerushalayim, tu n'es plus un habitant de Tel Aviv. Le 14, tu es dispensé. Le 15, tu es imposé. D'accord? Voilà pour la Mishnah, la première partie de la Mishnah. Deuxième sujet de la Mishnah maintenant, où Mehran pourrait Adam et Amegila. Ça va, il y a des amis qui pensent que c'est possible d'esquiver le devoir de Pourim. Et c'est un problème d'ailleurs, parce qu'on a l'obligation de le faire une fois par an. Mais s'il va se retrouver, c'est un habitant d'Yerushalayim, et c'est un habitant de Tel Aviv par exemple, qui va se, il y a certains amis qui pensent comme ça, que s'il est à Yerushalayim le 14, donc il n'est pas à Tel Aviv le 14, il n'est pas imposé par le lever du jour du 14. Après, il va rentrer chez lui à Tel Aviv dans la journée du 14, il va passer le 15 à Tel Aviv. Et il va donc pas être imposé avec les gens du Yerushalayim. Et bien il sera dispensé de Pourim. Il célèbrera ni le 14 et le 15. Il y en a, le Bartonora, il pense pas comme ça. Le Bartonora, comme on a dit, il est bien clair. Si l'habitant de la ville va à Yerushalayim, il reste là jusqu'au 15, alors il est imposé comme Yerushalayim. S'il va passer jusqu'au 15, il sera imposé le 14, même s'il est tout seul à Yerushalayim. Il y en a qui pensent que ça fonctionne pas comme ça. Le lever du jour, ça fixe ton statut. Tu peux être imposé deux fois, tu peux être dispensé deux fois. D'accord? Deuxième sujet. Omechan kor adam et amigila, le yotseba yeder chovato. À partir de quel endroit de la Megillah a-t-on le devoir de lire la Megillah pour s'acquitter du devoir? Bien évidemment, comme disait l'ami, il vaut mieux être riche, beau et intelligent que moche, truc et bête et pauvre. D'accord? C'est certain, il vaut mieux lire toute la Megillah. Mais quelqu'un qui n'a pas le temps, imaginez, c'est vraiment, je ne sais pas moi, les soldats. Il a réussi à avoir 25 minutes bidouk à la. Top chrono, pour pouvoir lire la Megillah, 25 minutes, il n'aura pas le temps de lire toute la Megillah, il doit la raccourcir. Il va chez le Rav, il lui dit, dis-moi le strict minimum pour que je me quitte de ma mitzvah. Après, il doit repartir à la garde, et il n'y a rien à faire, il ne pourra pas la lire. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a une... Quel est le minimum imposé de lire? Umeichan, kore adam et Megillah, et sabay de chovato. À partir de quel, d'où un homme a-t-il le devoir de lire la Megillah et il s'acquitte de sa mitzvah? Rabbi Meir Omer, que la Rabbi Meir dit, désolé, tu dois tout lire. Si tu lis pas tout, bah, tu peux pas faire. Anus, t'es dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Anus, quelqu'un qui est Anus, il transgresse, tant pis, il fera pas la mitzvah. Il est dispensé. D'accord? Mais en tout cas, il pourra pas la lire et la lire avec bracha s'il prévoit pas de la lire entière. Par exemple. Rabbi Yoda Omer, mais Ishi Yehudi. Selon Rabbi Yoda, non. Ça commence à partir de Ishi Yehudi. Ishiudia Yabushan Mira ou Shmoman. Ça commence, c'est quoi le Père Guimel, j'imagine. Ouais. Fin de Père Guimel plutôt. Milieu de Père Guimel. Et il commencera à partir de Ishiudi. Rabbi Yoda Omer, mais Rabbi Yossi Omer, mais Achar Devarim, elle est. Depuis ça, c'est le troisième Père Guimel.
Là, à partir de là, il faudra. C'est le minimum imposé, quand la sévère des prières, lui aussi, il a économisé quand même deux prakim. Parmi les neuf, ça fait quand même ça, c'est assez conséquent. Ça, c'est le minimum imposé à partir de ce deuxième chapitre. Tous les trois, la Gemara explique que tous les trois, en fait, il commente un même verset qui nous dit les kayem et tokef. Le pasouk exact, il est comme ça. Vatirtov Esther Amalka ou Mordechai Yehudi et kol tokef amegila. Et kol tokef, tout l'essentiel de l'histoire. La question, elle est maintenant expliquer la puissance, la force. La force de qui? La force d'Achashverosh, la force de Mordechai ou la force de Haman? C'est là, ici, quand même, trois manières d'interpréter comment expliquer ce mot tokef. Tokfoshel Haman, tokfoshel. Si c'est la force d'Achashverosh, ben, ça commence depuis le début quand il raconte le festin. Si c'est la force de Mordechai, comment est-ce qu'il est monté? C'est depuis Yehudi. Si c'est la force ou l'essentiel de Haman, donc c'est depuis Achashverosh, Gidal Amalek, Achashverosh, Haman. D'accord? C'est là le troisième dit. Et là, Achashverosh établit, comme Rabbi Meir, qu'il faut tout lire. Voilà. Précision, d'après tous les avis, il y a une obligation que la Megillah soit écrite intégralement. Même d'après ceux qui disent que tu peux commencer depuis Ishi Yehudi ou depuis Achar de Rima, il faut que la Megillah soit écrite entièrement. Une fois que la Megillah est écrite comme il faut, tu as une Megillah Kshera devant toi, alors tu passes quelques colonnes et tu commences à partir de Ishi Yehudi. Mais si, là, mais tu peux pas avoir une Megillah qui va commencer que depuis Ishi Yehudi, bien évidemment. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.